Sandra. Oh, c'est vous, monsieur? Oui, c'est moi. Arrêtez! Monsieur, qu'est-ce que vous faites? Désolé. Écoute-moi. Je ne peux pas me retenir. Écoute. Laisse-toi faire. Quoique je... Monsieur, qu'est-ce que vous dites? Sandra, écoute-moi. Je t'aime, Sandra. Hein? Je veux t'aider. Je veux t'aider parce que je suis tombé sous ton charme. Monsieur, arrêtez! Thank you.
Tiens, Sandra, prends ça et arrête ce sac. Maintenant, va dans la cuisine, fais toute la vaisselle, hein. Et lorsque tu auras fini, eh bien, va en route demander de l'aide, ok? D'accord, tonton. Et surtout, n'oublie pas. Tu dois les supplier en pleurant, sérieusement. Sandra, que fais-tu là? Fivor, je me repose. J'ai tellement travaillé aujourd'hui, je suis très fatiguée. Tu te reposes dans cette maison. Si, Sandra, il n'y a même pas de repos dans cette maison, si tu n'as pas encore dressé mon lit. Fivor, tu peux dresser ton lit. Je viens de te dire que je suis fatiguée, s'il te plaît. Je ne peux pas faire mon lit. Depuis quand est-ce que c'est moi qui graisse mon lit dans cette maison? Vas-tu te lever? Lève-toi de là et va le graisser. I have suffered in this world just because I am blind. Comme ça, tu veux me dire que c'est tout l'argent que tu as travaillé aujourd'hui? Oui, tonton. Non, mais tu vas te taire. Tais-toi et dis la vérité. Tonton, je n'ai pas volé ton argent. Je dis ferme ta bouche. Ferme-la. Pour finir... Va à l'intérieur si tu sais ce qui est bien pour toi. Va me chercher tout cet argent. Quel que soit l'endroit où tu le caches. Tu m'as bien compris? Tu ne vas jamais me convaincre que c'est tout cet argent que tu as travaillé aujourd'hui. 5550 naira? À qui est-ce que tu racontes ça? Tonton, c'est tout l'argent que j'ai gagné aujourd'hui, je te le jure. Mais certaines personnes m'ont apporté à manger au lieu de me donner de l'argent. Alors où est la nourriture? Je l'ai mangé. Tu n'es vraiment qu'une idiote. Tu es vraiment très stupide. Tu as mangé la nourriture. Hein? Est-ce que tu ne sais pas que ceci, c'est mon business? Et de ce fait, tout argent que tu gagneras, tout objet, la moindre chose que tu recevras, doit bien évidemment me revenir. Eh bien, tu dois me rendre compte de tout. Tu dois tout m'apporter. Tout ce que tu reçois, tu dois me l'apporter. Mais, tonton, j'ai mangé la nourriture parce que j'avais faim. Tais-toi, que Dieu punisse ta bouche. Tu avais faim. Et tu penses que tu peux tout te permettre? Manger tous les jours? Regarde-toi. Une pauvre et sale petite ingrate que j'essaie de fabriquer. Et tout ce qu'elle sait faire, c'est me saboter dans mon dos. Hey, cette nuit... Eh bien, ta punition sera de dormir sans rien manger ce soir. Allez, dégage de ma vue! Stupide aveugle. Là. Hey! Hey! Tata Chiwe! Fais fort, ma nièce. Comment tu vas? Bien. Regarde-toi. Ah, ah. Alors, où sont les autres? Où est Sandra et son frère? Marisa, je suis là! Mon grand frère! Petite sœur! Ma Chiwe! Bonsoir, bienvenue. Comment tu vas? Je vais Mais ça bien. Fait vraiment longtemps que tu n'es pas venu nous voir. Ça se voit qu'Abuja te va très bien. Tu as plutôt bonne mine. Et...
Ouais, ça se voit qu'Abuja te va plutôt bien. Oh, en grâce. Tu as vraiment bonne mine. Merci. Bienvenue. Où est Sandra? Va chercher ta sœur. Elle doit être quelque part dans la maison. En fait, je lui ai demandé de rester dans sa chambre et... pour qu'elle prépare son examen. Tu sais, ma chérie, j'ai dû l'inscrire dans une école spécialisée pour personnes aveugles. Donc, elle est en train de préparer son examen. D'accord. Je sais, cette fille me coûte vraiment cher. Crois-moi, je dépense tout mon argent sur elle. Ouais. Oh, Tata Chinoé. Sandra, ma chérie. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien. Ça me fait si mal que tu ne puisses pas me voir. Regarde-toi, ça va? Je vais bien. Grand frère, essayons de faire quelque chose. Essayons de réunir de l'argent, du moins... Arrête. Ne t'inquiète pas. Et surtout, ne t'ennuie pas avec tout ça. Donc, comme je le disais, j'ai dépensé une fortune pour qu'elle arrive à ce niveau. Oui. J'ai acheté certains gadgets pour ses yeux. Mais ça n'a pas du tout fonctionné. Alors, que veux-tu que je fasse? L'argent, je n'en ai pas. Mais je n'ai rien reçu comme... Tu vas te taire? Hé! Hey. Il est grand temps... Que tu amènes ta sœur dans sa chambre. Il faut qu'elle continue de réviser. J'ai une causerie importante avec ta tante. Tata. Bye. Ma chérie, ça va aller, ok? Ok. Ça va aller, hein? Je suis là, si tu as besoin de moi. Grand frère. J'ai dépensé tout ce que j'avais. Elle n'a pas bonne mine. Elle n'a pas bonne mine, et c'est tout. Ce n'est pas du tout une affaire de contribution, ok? Si tu veux commencer à bavarder inutilement, très bien. Et c'est à toi de voir. Hein? Moi, je n'ai pas d'argent du tout. J'ai dépensé tout ce que j'avais. Est-ce que c'est toi? Fevor, je sais que c'est toi. Pourquoi tu ajoutes encore des habits? Parce qu'il y a beaucoup d'habits sales à laver. Mais attends, pourquoi est-ce que tu me poses ce genre de questions? Parce que j'ai lavé une tonne d'habits hier. Papa a dit que tu ne les as pas bien lavés. Rassure-toi de bien le faire cette fois-ci. Bonjour, jeune fille.
Comment tu vas? Je vais bien. S'il te plaît, où est l'ingénieur qui a réalisé ces chefs-d'œuvre? C'est magnifique. Il est dans le coin? Je ne pense pas qu'il soit là. Non, mais c'est pas vrai. Je lui ai pourtant dit que j'arrivais. C'est quoi son problème? Monsieur, s'il vous plaît, pouvez-vous ramasser mon savon? Mais il est juste là devant toi. Tu vas bien? Je vais bien. C'est juste que je ne peux pas voir. Ah, désolé. Y a-t-il personne ici pour t'aider? J'y suis habituée. C'est mon quotidien. Si je comprends bien, tu veux seulement que je t'aide à ramasser ton savon. C'est ça, monsieur. Mais je peux le faire. Ne t'inquiète pas, je... Non, monsieur. Ce n'est pas la peine. Merci. Ne t'en fais pas. Laisse-moi t'aider. C'est bon, je vais le faire. Ne t'en fais pas. Ça ne me dérange pas. T'inquiète, je vais te donner un coup de main. Si seulement je pouvais voir le visage d'une personne aussi gentille, je lui serais vraiment reconnaissante. C'est bon. Écoute, peu importe le visage que tu peux imaginer dans ta tête, ça me va. Merci, monsieur. Merci vraiment beaucoup. Il n'y a pas de quoi. C'est normal. C'est normal. Comme ça, c'est toi qui laves les habits. Oh, c'est vraiment triste. Sangla. S'il vous plaît, qui êtes-vous? C'est moi, Moubi. J'ai demandé après toi, mais on m'a dit que tu n'étais pas là. Oh. Monsieur Amoubi, ah, c'est vous. Sangla, dont tu es mendiante. Tu sais quoi? À partir d'aujourd'hui, tu viens avec moi. Non, monsieur Amoubi, je ne peux pas venir avec vous. Tu viens avec moi, impossible. Suffered in this world just because I am blind, but I try not to blame anyone. I put my trust in God. Oh, in God, I put my trust. I'll be born on him that you put. I'll be a bowed man in a remember. I'll be a team of one more. I'll be a bowed man in a I don't know what I found. Sangla. Donc, ton oncle te fait mendier dans la rue au lieu de prendre soin de toi? Il le fait depuis que je suis toute petite. Et je n'ai pas d'autre choix que de le faire. Alors il m'envoie chaque jour dans la rue pour mendier pour lui. Puis il récupère tout l'argent que je gagne. Mais quelle honte! Je n'arrive pas à croire que l'homme qui te soumet à tout ceci soit ton oncle. Ah! Mais dis-moi, où sont tes parents? Degara! Degara, allez, viens! Degara, viens Degara. Ici! Allez, Degara, mais où es-tu? Degara! Qu'est-ce qui se passe ici? Homme? Qu'est-ce qu'il y a? Tu penses que tu vas dépenser tout l'argent que nous avons gagné au parc? Toi seul, hein? Non, 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 non. Entre là-dedans et apporte cet argent, partageons-le. C'est tout. Écoutez, jeunes gens, retournez au parc. Quand je viendrai au parc, je vous donnerai à vous, jeunes gens, votre part. C'est moi qui gère le parc. Degara, tu as raison. Oui, Degara, tu as raison. Écoute, je vais te dire une chose. Entre dans ta maison et apporte cet argent ici qu'on se le partage une bonne fois pour toutes. Vous n'aurez même pas un centime. Je suis le gérant du parc. Quand je viendrai demain, je vous donnerai à chacun sa part. Tu perds la tête, Degara. Écoute, tu sais, il y a un problème chez nous qui dit que... Je vais te le dire, hein? Une femme qui cherche un enfant est prête à tout pour l'avoir. Degara, tu nous donnes notre argent maintenant. Ah! Degara!
Degara, Degara. Allez, prends ça. Je vais te tuer. Oh. Hey, mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'il a fait, mes Seigneur? Mes yeux. Mes yeux. Dégage-moi. Mes yeux. Ça fait mal. Mes yeux. Mes yeux. Mes yeux. Mes yeux. Mes yeux. Mes yeux. Ça fait mal. La dernière chose que j'ai vue, c'était les corps sans vie de mes parents. Ne t'inquiète pas, Sandra. En ce qui me concerne, je continue de croire que ça peut se corriger à l'aide d'une intervention chirurgicale. Mon oncle ne veut pas en entendre parler. Il ne m'a jamais amenée à l'hôpital, mais il passe le temps à dire aux gens qu'il a dépensé une fortune pour moi. Cet homme doit être un sorcier. Ton espèce d'oncle, cet homme est vraiment méchant. Mais ne t'inquiète pas, Sangra. Moi, Amobi, tout ce que tu as vécu jusqu'ici à cause de ton oncle, tu me suis, tu n'auras plus à le vivre. C'est moi, Amobi, qui te parle. Je prendrai soin de toi. Je sais que tu as dû prier et demander à Dieu de te sortir de là. Je suis cette aide que tu as tant demandé. Hein? Je suis venu prendre soin de toi. Peu importe ce que tu veux, quel que soit le problème que tu peux avoir, moi, Amobi, je serai toujours là pour toi. Fais-moi confiance. Tu m'as compris? Oui. Ça va aller. Ça va aller. I have suffered in this world just because I am blind. But I try not to blame anyone. I put my trust in God. I have suffered in this world just because I am blind. But I try not to blame anyone. I put my trust in God. Oh, 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 in God. I put my trust. I'll be born on immeasurable. Thank you.
Non, mais c'est encore quoi ce nouveau problème? Que vais-je faire? Hey! Favor, dis-moi, est-ce que tu es bien sûr de l'avoir cherchée à l'endroit exact où elle a l'habitude de s'asseoir? Hein? Mm-hmm. Ou alors elle t'a attendu pendant longtemps et peut-être que tu es arrivé en retard. Et elle a décidé de rentrer à la maison toute seule. Non, papa. Ça ne m'a pas pris beaucoup de temps pour me rendre là-bas. Tu es sûr? Et en plus, j'ai bien pris le temps de regarder avant de rentrer à la maison. Hey! J'espère seulement qu'elle ne s'est pas faite kidnapper. On l'a peut-être kidnappée. Hein? Ou alors peut-être qu'elle est tombée entre de bonnes mains. Oh oh, nous continuerons à prier pour elle pour qu'elle retourne à la maison saine et sauve sans que rien de mal ne lui arrive. Je ne sais vraiment plus quoi dire. Va, continue ce que tu es en train de faire dans la cuisine. D'accord, papa. C'est assez bizarre. Ce n'est pas normal. Ces biscuits sont vraiment très délicieux. John, t'es là? Sangre, je te présente ma petite amie Jeanne. Jeanne, je te présente Sangre. Bonsoir à vous, madame. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Qu'est-ce que ça signifie, Amobi? Hein? Qu'est-ce que je t'ai fait? Jeanne, écoute, je te l'ai dit. Elle a besoin d'aide. Oh oui, c'est tout ce que tu peux me répondre. Elle veut de l'aide. Es-tu le seul à pouvoir lui apporter de l'aide? Sandra, s'il te plaît, assieds-toi. Assieds-toi confortablement. Hmm? Détends-toi. Laisse-moi aller te chercher quelque chose à boire, ok? Mm-hmm. Je reviens dans une minute. Jeanne! Jeanne! Mm-hmm. Jeanne, je n'accepterai pas un tel comportement. Oh que si, tu l'accepteras. Ne joue pas à la victime. Elle a besoin d'aide, elle a besoin d'aide. C'est toujours comme ça que ça commence. Après, on entendra que c'est fini un queue de poisson. Va remettre cette fille où tu l'as trouvée. Jeanne, baisse d'un ton, s'il te plaît. Ne me demande pas de baisser le ton. Ne me demande pas de baisser le ton. Qu'est-ce que tu essaies de dire? J'ai l'habitude de fermer les yeux sur tout ce que tu fais dans cette maison. Pas cette fois-ci. Tu dois ramener cette fille où tu l'as enlevée. Oh, Jeanne, allez, écoute. Je veux juste l'aider. Ce n'est pas ce que tu penses. Veux-tu arrêter de crier comme ça? Écoute, Jeanne, cette fille est aveugle. Tu le vois pas? Elle a vraiment besoin d'aide. Et c'est ce que j'essaie de faire. Je lui apporte mon aide en l'amenant ici. J'essaie de l'aider, plus encore. Quelle est cette aide que tu veux lui apporter? Tu veux lui donner un pénis ou quoi? Dis-moi en quoi est-ce que tu veux l'aider. Écoute, je ne resterai pas assis là à t'écouter me dire du n'importe quoi. Après tout, ce pénis dont tu parles, tu passes ton temps à l'utiliser comme si ta vie en dépendait. Chaque matin, chaque nuit. Tu dois m'écouter. Lâche-moi. Reviens ici et viens m'écouter. Espèce de bon à rien, regarde-toi. Homme sans vergogne que tu sois. Tu passes ton temps à sauter sur tout ce qui bouge. Aide de chaque, aide humanitaire. Homme sans vergogne, regarde-toi. Reviens ici te chamailler avec moi, n'importe quoi. Sandra. Me
Monsieur, s'il vous plaît, je veux rentrer. Ne t'en fais pas. Tout va bien. Ne t'en fais pas. Non, monsieur, s'il vous plaît, ramenez-moi à la maison maintenant. Je veux partir, s'il vous plaît. Ok, je le ferai. Mais je veux juste que tu répondes à ma question. Pourquoi est-ce que tu veux rentrer dans cette maison? Monsieur, peu importe ce qui s'est passé, on n'a qu'une seule famille dans la vie. De quelle famille parles-tu? De quelle famille? Hein? Une famille qui a l'habitude de te maltraiter comme elle le fait là? S'il vous plaît, ce sont eux qui ont pris soin de moi pendant toutes ces années. Écoute, laisse-moi te dire quelque chose. Tu peux appeler sa famille. Ce que je veux dire, c'est que c'est toi qui prends soin d'eux. Pendant qu'ils te prennent pour leur esclave. Monsieur, j'apprécie vraiment votre inquiétude, mais je veux m'en aller. S'il vous plaît, ramenez-moi. Je veux m'en aller. Tu sais quoi? C'est d'accord. Je te raccompagnerai, je te le promets. Mais il se fait déjà tard. Alors, pourquoi pas demain matin? Non, je veux m'en aller maintenant. S'il vous plaît, ramenez-moi chez moi. S'il vous plaît. Ok, je le ferai. Papa, tu l'as vu? Bien sûr que je ne l'ai pas vu. Eh oh. Je l'ai cherché partout et je ne l'ai pas trouvé. Et apparemment, personne ne semble l'avoir vu. Donc, je ne sais pas. Je pense que nous devons rentrer et l'attendre un moment jusqu'à ce qu'elle décide de rentrer avant le matin. Nous n'avons vraiment pas d'autre choix que de patienter jusqu'à son retour. S'il te plaît, attendons-la encore un peu. Rentre, attendons-la encore un peu. Je pensais pourtant bien faire. D'accord. Dis-moi, Sandra, qu'est-ce que c'est que ça? Où est l'argent que tu as gagné aujourd'hui? Tonton, je dis la vérité, c'est tout ce que j'ai pu avoir. Hé! Hey! Tu es allée si loin. Tu es une menteuse. Comme on le dit en français, tu n'es qu'une menteuse pathologique parce que tu es comme tes parents. Je le sais. Je le sais très bien que tu es une menteuse. Comme ça, tu veux me dire que c'est tout ce que tu as eu aujourd'hui? Hein? Je te demande une fois de plus de me dire la vérité. Tu as déjà un petit ami, je me trompe? De toute façon, c'est ce qui est resté après que tu aies gaspillé mon argent avec lui, n'est-ce pas? Hein? Non. Tonton, non, je te le jure, je n'ai rien fait avec personne. Ok. Alors laisse-moi te prouver que ce que je dis est faux. Allez, viens. Mais je rêve ou quoi? Aïe! Tu sens le parfum d'un homme. Tais-toi, idiote! C'est un parfum d'homme. C'est un homme qui te l'a mis et tu ne savais pas. Cet homme ne sentait pas bon, n'est-ce pas? Ou alors, il s'est plutôt plaint que c'est toi qui ne sentais pas bon. Aïe! Hey. J'ai toujours dit que tu finiras un jour par me créer des problèmes, hein? Allez, debout! Allez, lève-toi! Tu pues de l'alcool, tu as même osé boire l'alcool. Je n'ai rien fait, Toto. I have suffered in this world just because I am blind. But I try not to blame anyone. I put my trust in God. Oh, 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 in God. I put my trust. Sandra. Amobi. Oui, c'est moi, Amobi.
Amobi, Amobi, s'il vous plaît. Amobi, aidez-moi. Mon oncle veut me tuer, s'il vous plaît. Amenez-moi. Amobi, emmenez-moi loin d'accord, d'ici, je vous en supplie. Debout. Allons-y. I am blind, but I try not to blame anyone. I put my trust in God. Oh, par ici. Oh, in God. Je veux que tu te sentes à l'aise. Quel que soit ce qui te dérange, efface-le de ton cœur. Tu m'entends? Ici, c'est ta chambre. N'aie peur de rien, d'accord? Je prendrai soin de toi. Tout ce que je le ferai de telle sorte que ton oncle ne puisse plus jamais te faire de mal. Tu m'as compris? Alors, à l'instant où je me lève, mon épouse, ma femme, viendra te donner des vêtements de rechange. Tu m'as d'accord. Compris? D'accord. Alors, détends-toi. Merci beaucoup, monsieur. C'est rare de trouver des personnes aussi gentilles que vous. Merci. Ne t'en fais pas, Sandra. Retiens juste que ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Je t'en... Merci. Donc, merci, monsieur. Ma femme viendra te donner des vêtements de rechange. OK? D'accord. Je reviens. Merci. D'accord. Ne t'inquiète pas. Tout va s'arranger, hein? Amobi. Jeanne, mais tu m'as fait peur. Elle est revenue, n'est-ce pas? Écoute, si je ne l'avais pas éloignée de là, il aurait tué. Commence d'abord par entrer là-dedans et jette un œil sur elle. Et tu penses que tu ne lui feras pas pire que ça? Tu penses qu'elle ne regrettera jamais de t'avoir connue? Jeanne, t'es malade. Je constate que tu souffres de la pauvreté mentale. C'est toi qui es malade, Amobi. C'est toi qui dois arrêter ce que tu fais. Je pense te l'avoir dit maintes fois. J'ai la main sur le cœur. Je veux juste aider une fille aveugle. Hein? Les gens ont toujours eu à abuser de moi, mais je vais aider. Mais tu t'obstines toujours à ignorer tous les bons actes que je pose. Je te l'ai dit, je ne resterai pas les bras croisés à te regarder décrire la vie d'une autre fille innocente. Amobi, je t'ai à l'œil. Rien qu'un petit geste déplacé de ta part, je réagis. Jeanne, je m'en fiche de ce que tu peux penser. Ça m'est égal. Ah, ah. Fais voir. Salut, papa. Tu es rentré? Oui, je suis rentré. Elle n'est pas encore rentrée. Hé hey! Qu'est-ce qui se passe? Hein? Est-ce que tu ne vois pas qu'il y a un plan derrière tout ça? Quelque chose ne va pas. Hein? C'est exactement ce qu'elle a fait la dernière fois, laisse-moi te dire. Elle a recommencé à revenir à la maison. Depuis hier. Elle a pris l'habitude depuis hier de rentrer tard à la maison et elle veut le refaire aujourd'hui, sans problème. Mais cette fois-ci, elle viendra me trouver ici et me dire qui est cet homme. Papa, je pense que c'est mieux qu'on aille la chercher. Allez la chercher où? Laissons-la juste revenir comme elle est revenue la fois dernière. Mais au cas où j'oublie, elle devra bien m'expliquer qui est cet homme. Chérie. Ne me touche pas. C'est quoi ton problème? Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Va voir cette fille. Arrête de me déranger. C'est quoi ton problème? Tu penses encore à cette fille? Vraiment? Amobi, je vois la façon dont tu regardes cette fille. Va la voir et elle saura qui tu es vraiment. Arrête tes conneries. Écoute, je n'apprécie pas la manière dont tu prends les choses. Tu me fais passer pour un diable. Et ça ne me plaît pas. Comme j'ai envie de toi. Oh, s'il te plaît, allez.
Arrête ça, d'accord, je n'aime pas ce que tu j'ai fais. Compris. Allez, viens. Je n'aime pas ça. Tu m'avais dit qu'il n'y aura plus jamais j'ai une pas fait autre de moi et que tu feras tout pour fais-moi moi. Fais-moi d'abord un bisou. Tu sais quoi? Je te promets de ne rien faire qui pourrait te blesser, ok? D'accord. Alors, ne te prends pas la tête. Je t'ai compris et je t'assure que ça n'arrivera pas, ok? C'est d'accord. Alors, relax. Il n'y a pas de problème. Ok. Tu es contente maintenant? Oui, je suis contente. Tu es sûre que tu es contente? Bien sûr. Tu es vraiment sûre? Oui, je suis. Tu es vraiment sûre que tu es contente? Sandra. Sandra. Qui est là? Qui est là? C'est moi, Jeanne. Tata Jean, j'espère que tout va bien. Oui, tout va bien. Amobi a dit qu'il veut vraiment t'aider à trouver un endroit où vivre, loin de ton méchant oncle. Et j'espère vraiment que c'est ce qu'il fera. Tata Jean, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Amobi, t'a-t-il déjà fait des avances depuis qu'il t'a amené ici? Oh Seigneur, non, jamais. Il n'a fait que m'aider. Il n'a jamais essayé de faire ce genre de choses. Ça vaut mieux pour vous deux. Et s'il faisait une chose de ce genre? Non, Tata, je ne l'accepterai pas. C'est ton petit ami. Et de plus, moi je ne veux pas ce genre de choses, s'il te plaît. Écoute-moi bien, Sandra. Si jamais Amobi essaie de faire de telles bassesses avec toi, n'aie pas peur de refuser et de dire non. Et n'hésite non plus à m'en parler. Ok, Tata. Je te le ferai savoir. Merci. Pas de problème, hein. Tu peux retourner au lit. Moi, je retourne dans ma chambre, hein. Rendors-toi. À demain, ok? Passe une bonne nuit. Sandra. Oh, c'est vous, monsieur? Oui, c'est moi. Arrêtez! Monsieur, qu'est-ce que vous faites? Désolé. Écoute-moi. Je ne peux pas me retenir.
Écoute, écoute. Laisse-toi faire. Quoique je... Monsieur, qu'est-ce que vous dites? Sandra, écoute-moi. Je t'aime, Sandra. Je veux t'aider. Je veux t'aider parce que je suis tombée sous ton charme. Monsieur, arrêtez! Hey, Sandra. Tata. Hey, comment tu vas? Je vais bien. Ok. Tu m'as l'air inquiète. Un problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Je vais bien. Je voulais juste te dire quelque chose. Quoi? T'as-t-il fait quelque chose? Que se passe-t-il avec lui? Tu vas bien? Est-ce qu'un moubi essaie de te toucher? Oui. Non. Quoi? Non, qu'est-ce non, que tu veux bon. Dire? T'as-t-il fait quelque chose? Tu es sûre qu'il ne t'a rien fait? Non, il ne m'a rien fait. Ok alors, si tu es sûre qu'il ne t'a pas touché, tu peux te détendre et m'attendre pendant que je termine ici. Tu peux aller t'asseoir au salon. D'accord, mais n'oublie pas que je t'ai dit que si Amobi essaie de te toucher, tu dois me le dire pour qu'on puisse y mettre fin à temps. Ne t'en fais pas, je te ferai savoir s'il y a quelque chose. Bonne fille. Ok, tu peux retourner au salon. Quand je termine ici, je viens te voir. I have suffered in this world just because I am blind, but I try not to blame anyone. I put my trust in God. Oh, in God. I put my trust. I'll be more than immature. Qui est là? Tu calmes. Monsieur Amobi, qu'est-ce que vous doucement, faites? Doucement, Monsieur Amobi, mais que tu faites-vous? Tu vas aimer, fais-moi confiance. Non, je ne veux tu pas, Monsieur Amobi. Non, s'il vous plaît, d'accord. arrêtez. Monsieur Amobi, s'il vous plaît, arrêtez. Monsieur Amobi, arrêtez. Arrêtez. S'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez. Monsieur Amobi, arrêtez. Mais qu'est-ce que tu arrêtez. Arrêtez. Pour l'amour de Dieu. Amobi, qu'est-ce que tu fais? Amobi, après t'avoir parlé, pourquoi tu fais ça? Hein? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Sandra, je suis désolée, je suis vraiment désolée. Oh, s'il te plaît, calme-toi. Hey, Amobi, quel genre de personne es-tu? Quel genre d'humain es-tu, Amobi? Je suis désolée, Sandra. Désolée, pourquoi vraiment désolée. Oh, désolée, hein. Vraiment désolée. Ah, essaye de t'allonger. Allez, viens. Quel méchant homme. Vraiment, Amobi. Calme-toi. Allez. Amobi, on veut rien comme toi. Désolée. Je reviens, je vais régler son compte. Amobi, les gens qui vivent dans la rue ne savent pas les choses horribles que je subis dans cette maison. Ils vivent même la meilleure vie. Quoi? Oh, maintenant tu veux jouer la victime. Non, tu veux jouer la victime, c'est ça? Nous sommes toutes tes victimes. Mais là, c'est trop.
Assieds-toi. Écoute, arrête de faire comme si tu n'avais pas aimé. Après tout ce que nous avons fait ensemble, tu as aimé tout comme j'ai aimé. Ne me raconte pas des histoires. Ça te fait perdre la tête à chaque fois. Amobi, je te vois venir. Amobi, je te vois venir. Et je te suspecte même. Tu me vois venir, moi, Amobi. Écoute, écoute-moi très bien. Si tu me mets les bâtons dans les roues, je te réglerai ton compte. Tu peux me croire. Sangra! Sangra, où vas-tu? Je voulais juste un peu d'air. Sangra, écoute-moi maintenant. Je te l'ai dit. Si tu as besoin de quelque chose, dis-le-moi. Hein? D'accord, j'ai compris, mais je dois... Sangra, ne t'inquiète pas pour ça. Ne t'en fais pas. Peu importe ce que tu veux, dis-le-moi. Peu importe ce que tu veux, dis-le-moi, je vais le faire. À propos de ce qui s'est passé la nuit dernière, je suis vraiment navré. Je suis vraiment désolé. Ce n'était pas de ma faute. C'était une faute idiote de ma petite amie. Oui, excuse-moi. Mais je veux juste rentrer chez moi, s'il vous plaît. Quoi? Tu veux retourner chez ce méchant homme? Écoute, Sangra. Je te l'ai dit. Pour ce qui s'est passé hier, je suis vraiment désolé. Ne retourne pas dans cette maison. Je reste avec toi pendant un certain... Même si j'ai une histoire avec toi pendant un moment, il n'y a rien de mal. Et toi, tu veux retourner dans cet endroit où l'on te maltraitait et te faisait mendier dans la rue. Écoute, Sangra. Sais-tu que j'en ai jalouse parce que je prends soin de toi? Alors, s'il te plaît, c'est bon. Allons à l'intérieur. Allons-y. Bienvenue à Westwood Lounge. Merci. Westwood est en effet l'endroit idéal pour s'amuser. Tu le penses vraiment? Ouais. Ça te plaît le cadre? Ah, c'est si cool. Oui, ça l'est. Ah ouais, c'est le meilleur endroit du coin. Tu ne crois pas? Le cadre, le repas, le service, on fait tout quoi. Ça, je ne te le fais pas dire. Personne spéciale. Service spécial. Arrête. Un peu de chatouille. Bébé, tu sais que tu es nuisible quand tu veux, n'est-ce pas? Ah bon? Ce dont tu veux me parler, ne peux pas attendre. C'est quand je veux me détendre que tu me ramènes des histoires. Ne peux-tu pas attendre juste un instant? Je suis désolée, monsieur, mais je veux vous parler. Ça ne peut pas attendre, s'il vous plaît. Écoute, ma chérie, donne-moi un instant, s'il te plaît. Permets que j'aille écouter ce qu'elle a à dire. Je te reviens dans un instant. Amuse-toi bien, juste un instant, d'accord? Ok? C'est bon, viens t'asseoir. Je suis vraiment désolée, monsieur, mais la situation était vraiment urgente. Amobi va détruire cette pauvre fille. Et à cause de sa situation, elle ne pourra pas survivre comme je l'ai fait. Elle est vulnérable et innocente, qu'elle ne pourra pas s'en sortir avec un... pauvre type comme Amobi. S'il vous plaît, monsieur, j'ai vraiment besoin de votre aide. Ce garde d'Amobi est vraiment un monstre. Un monstre manipulateur de surcroît. Oh. J'ai entendu parler de vous et de votre agence. Un ami à moi m'a parlé de vous il y a quelque temps. Mais j'avais tellement peur de venir dénoncer tout ce que je vivais dans cette maison. Eh bien, alors qu'est-ce que ça fait changer d'avis? Oh. J'ai trouvé un moyen de jouer à son jeu. J'ai fait semblant d'être sa petite amie. Et quand il a amené cette nouvelle fille chez lui, j'ai commencé à avoir un peu de liberté. Mais parce que je n'ai nulle part où aller, j'ai nul d'autre choix que de rester chez lui.
Oh, il a ramené une nouvelle fille et maintenant, toi, t'as une vieille caisse, c'est ça? Il ne s'agit seulement pas de moi. Oh, vraiment? Je peux continuer à jouer à ce jeu et finir par gagner. Je ne peux pas accepter de regarder une autre fille innocente souffrir de la sorte. Oh, une nouvelle fille? Ce n'est pas la première fille qu'il ramène. La dernière fille qu'il a amenée a préféré se suicider à cause des atrocités qu'Amobi lui faisait vivre. Pas du tout. Jusqu'à présent, je ne peux pas dire ce qu'Amobi a fait de son corps. Alors là, c'est un problème très sérieux. C'est vraiment sérieux, monsieur. Ok, maintenant écoute-moi. Ce garde de Amobi doit être neutralisé. Compris? Et il doit être envoyé en tôle, là. Mais j'ai besoin d'une preuve solide et irréfutable qui sera utilisée contre lui en justice. Donc j'aurais besoin que tu continues de jouer à son jeu afin que nous ayons de quoi le compromettre. Tout ce qu'il faudra, tout. Écoute, c'est ce que tu devras faire. Ok, viens. Écoute, tu sais, il faut que tu le filmes sans qu'il ne s'en rende compte, d'accord? On a besoin de preuves solides. Puis-je savoir d'où tu viens? Je te demande d'où tu sors, madame! J'étais à la chapelle. Pour faire quoi? Pour prier, afin que le Seigneur puisse te délivrer de tout le mal que tu fais. Tu dois être folle. Tu dois avoir perdu la tête pour me parler de cette façon. Cette chapelle dans laquelle tu allais prier, pourquoi ne pas prier ton Dieu pour qu'il me délivre de toi? Ne sais-tu pas que c'est toi mon problème? Dégage de ma vue. Jésus, dégage! C'est ça. Tu es à la chapelle. Pour qui? Monsieur, s'il vous plaît, pas maintenant. S'il vous plaît, pas maintenant. Écoute, Sangra. Sangra, je veux juste que nous couchions ensemble. Fais-moi plaisir, ma chérie. S'il te plaît, allons dans la chambre. Je tu sais, à chaque pas. Fois que tu t'habilles de cette façon, je n'arrive pas à résister. Non. S'il te plaît, je t'en supplie. S'il vous plaît, pas maintenant. C'est que tu n'arrives pas à résister ou alors tu n'arrives pas à te contrôler. Espèce d'homme sans vergogne. T'es jalouse. Écoute, elle au moins porte des vêtements que je veux qu'elle mette. Pas comme toi, une grosse tête vide. S'il vous plaît, la nuit dernière m'a épuisée. Laissez-moi me reposer, s'il vous plaît. Oh, Sangra, laisse-moi te dire. Personne ne peut se reposer en faisant un bon travail. Tu me comprends? Tu as fait un bon boulot, s'il te plaît. Remettons ça. Amobi, cette physique, elle est fatiguée. Elle est fatiguée. Laisse-la tranquille. Arrête de l'embêter. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Je te le demande. Non, je te le demande. Quel est ton problème? Quel est ton problème? Maintenant, sors d'ici. J'ai dit, sors d'ici. Allez, dégage, sors d'ici. Maintenant, écoute-moi. Je suis avec Sangra pour l'instant. Après Sangra, je m'occuperai de toi. Tu m'entends? Sangra, écoute. Alors, c'est vous le méchant homme dont on parle? Écoute, conduis cet homme au refuge. Cette affaire ira en justice immédiatement. N'importe quoi. Thank you.
Hey, grand frère. Fred. Écoute, Fred. T'es pas le propriétaire de cette maison. Je te l'ai dit. Chaque fois que tu voyages et que tu as l'intention de revenir, préviens-moi que tu viens chez moi. Grand frère, j'aurais dû t'appeler, mais là c'est très urgent. Je ne serais pas là si ce n'était pas le cas. C'est quoi l'urgence? Ok, il y a un document important dont j'ai besoin. Parce que je dois remplir certains documents relatifs au poste de photographe. Il se trouve que la deadline c'est aujourd'hui et je viens de la prendre. Ah, c'est bien. Quel homme d'affaires dispersé. Dis-moi, quelle est ce grand île qui te fait courir à travers la ville et que te fait courir comme un chien enragé? Si cette affaire marche, ça fera de moi un photographe professionnel, au moins en Afrique. Ouais. Eh bien, tu sais que c'est ton aîné, n'est-ce pas? Hein? Je te le demande, quelle valeur ajoutée ce deal t'apportera? Tu... De l'argent. De l'argent. Ok. Ok, je te rembourserai tout l'argent que je te dois. D'accord? Je vais tout te rembourser et payer mon loyer. Et après ça, je deviendrai indépendant. Si indépendant que je ne te demanderai plus un centime, plus jamais. Eh bien, si tout ce que tu dis est vrai, alors dis-moi, qu'attends-tu pour y aller? Que fais-tu encore ici? Qui est-ce? Oh. Elle, c'est Sandra. Ah, j'oubliais. Tu dormiras dans ma chambre pour le moment. J'ai deux filles qui y sont installées dans la tienne. Et elles vont y rester un bon moment le temps pour elles de se trouver un appartement. Elle, c'est Sandra, comme je te l'ai dit, et l'autre fille, c'est Jane. Elle n'est pas encore rentrée du boulot. Ok, ravi de te rencontrer, Sandra. J'espère que mon frère t'a bien accueilli. Tu sais, parfois, il est très chiant au téléphone. Le samedi, chez lui, c'est journée football, je t'assure. Mais je suis sûr que tu en as souvent marre. Hein? D'accord, ravi de faire votre connaissance. Oui, il est vraiment parfois adorable. Fred, écoute, elle ne voit pas, ok? Hein? Oh, désolé, je ne savais pas. Ok, Sandra, on se reverra un autre jour, d'accord? Tu es tellement belle. J'aimerais faire ta connaissance, d'accord? Pas de problème. Ok, encore une chose. Peux-tu sourire pour moi? Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais? Je prends juste une photo de toi. Je l'aime bien, ton frère. Fred? Il est tellement drôle. Je vais bien, merci. Je t'ai pas demandé si tu allais bien, Fred. Eh bien, c'est ce que tu aurais dû demander. Je suis ton frère, pour l'amour de Dieu. Fred, s'il te plaît, écoute. Je suis très occupé en ce moment, je travaille. Veux-tu, s'il te plaît, aller droit au but parce que j'ai un sérieux problème avec toi? Mais c'est quoi ça? C'est d'accord, hein? Espèce de vieux grincheux. Peu importe, vilain garçon. En fait, j'appelais juste pour savoir si tu viendras toujours avec Sandra au... Pourquoi? Rappelle-toi de cette histoire dont je t'ai parlé. Ils sont revenus vers moi et ils m'ont demandé de leur fournir quelques-unes de mes réalisations. J'ai besoin d'un modèle qui posera pour moi demain. Ainsi, je pourrai montrer à tous ces gens de quoi Fred est capable. Tu vois, mec. Écoute, monsieur. Je t'en prie, va droit au but. Ne tourne pas autour du pot, hein? Dis-moi simplement que tu es fauché. Que tu ne peux pas te payer un modèle pro. Compris? Oui, et ça. Que tu veux simplement que je te déniche une belle fille. Compris? Qui pourra t'aider à atteindre tes objectifs. C'est ça, n'est-ce pas? Oui, oui. Un truc du genre. Eh bien, fais-le dire plutôt au lieu de ton auto-dupo. T'es terrible. Ok, ce n'est pas un problème, grand frère. Écoute, eh bien, je suis le manager de cette magnifique fille nommée Sandra. J'espère que tu l'as bien compris, je n'accepterai aucune erreur venant de toi. On est d'accord? Pas de couteau, s'il te plaît. Demain. Ce n'est pas un problème. Emmène-la. Espèce de radin. Ah.
C'est bien, juste comme ça. Souris. Super. Magnifique. Sandra. Oui, c'est bon. Juste comme ça. Ma chérie, tu n'as pas du tout l'air d'une aveugle. Maintenant, tu es une star. Bonne fille. Salut. Waouh. Est-ce que ça va? Tout le monde va bien? Ça va, ça va. Comme ça, tu t'as enfin décidé à venir nous rendre visite? Mec, ces deux dernières semaines ont été folles. Très folles. Mais j'ai de bonnes nouvelles. Oh. Oh, vraiment? Ouais. Tu as conclu l'affaire? Non. Ça n'a pas marché à cause de certaines choses. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est quoi la bonne nouvelle? Ok, je... Malgré le fait qu'ils n'ont pas été impressionnés par mon travail, ils ont plutôt été subjugués par mon modèle. Waouh, ça c'est ma puce! Ça c'est ma puce à moi! Ouais. Alors ils m'ont posé des questions la concernant. J'ai dû leur raconter la triste histoire. Ils sont vraiment intéressés. Ils veulent travailler avec elle. Ils aimeraient la présenter à l'international. Si elle est intéressée par le métier de top modèle, alors ils demandent s'ils peuvent travailler avec elle. Ils lui ont également dégoté un tas de designers qui veulent travailler avec elle. Elle fera la Fashion Week de Paris et ils sont tellement nombreux. Envoie-moi un email, car ils veulent entendre parler d'elle d'ici la fin de la journée. Eh bien écoute Fred, ça aurait été une grande nouvelle si ça venait de quelqu'un d'assez sérieux, pas de toi. Tu sais, écoute, tu sais c'est vraiment très difficile à croire. Es-tu sûr que ce n'est pas une bande d'arnaqueurs ou d'escrocs? Un bonbon. Nous parlons d'une agence internationale située à Londres. À Londres, oui. Parlons de cette agence internationale, celle qui a représenté le dernier show de Casey Henry ou de Swarovski. Tu connais ces noms? Je ne pense pas que tu les connaisses. C'est vrai, je ne connais pas ces noms. Tout ce que je connais bien, c'est l'argent. Ce n'est pas grave si tu ne les connais pas. Ça ne changera rien au respect que je te porte. Concernant l'aspect financier, nous parlons de 300 000 livres, au moins. Au moins. Sérieux? Ça te surprend? Je suis surpris. D'accord. Et sache que ce n'est que le début. Mais quand elle aura intégré cette agence, elle aura l'embarras du choix. Elle pourra voyager partout dans le monde, la Paris Fashion Week et toutes ces choses. Et de plus,
Si elle accepte de signer ce contrat, ah, je deviendrai son photographe personnel. Ma chérie, tu vas le signer. Tu le signes ou pas? Ok, ok, attends Fred, attends Fred. Alors si je te comprends bien, eh bien, en devenant son photographe personnel, quand tu viens si bien de le mentionner, mm-hmm. Est-ce que ça veut dire que tu deviendras aussi son manager? Parce que, à ce que je sais, c'est moi son manager. C'est pas je suis celui qui la représente, c'est moi son manager et pas toi. Ce n'est pas mon truc de manager les gens. Mais parlant de management, elle ne maîtrise pas toutes les langues. Quand tu la regardes, elle n'est pas comme les mannequins internationaux, le haut niveau. Pas les mannequins de pacotille. Elle a besoin d'un manager qui comprend les langues étrangères. Toi, tu comprends. Peux-tu me laisser parler? Tu ne pourras pas te sortir. Elle n'a pas besoin de quelqu'un qui le fera comprendre. Ces langues internationales. Mm-hmm. Oui. Avant que je n'accepte qu'elle signe ce contrat, ça c'est. Si et seulement si, je deviens son manager. De ça marche ou pas? Besoin. Mais dites donc, calme-toi. Tu parles d'un mannequin international. Mannequin international. Je ne dis pas le contraire. De l'international. Attends. J'espère que t'es vraiment sérieux. On doit fêter ça. Eh bien, attends. Sandra? Grand frère, calme-toi. Un instant. Écoute, voilà. À présent, tu es un mannequin international. Ouais. Et je suis ton manager. Et Fred est ton photographe. Alors dis-moi. Photographe personnel. Dis-moi. Il y a. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter le nouveau manager international. Au du coup, à Londres. Tu as dit Londres ou Paris? Les deux. Londres et Paris. Les deux. Au du coup, à Londres et à Paris. Bref, tout ça, c'est pareil. Félicitations, ma chère amie. Merci. Écoute, Jen. Oui. Apporte-nous des verres et qu'on fasse sauter du champagne, ok? Oh, chérie. Mais voilà. Je reviens. Je commençais déjà à avoir faim. Je n'ai rien mis sous la dent depuis. Sandra, ne pense pas que le fait d'aller voir ton oncle tout de suite, n'est-ce pas une perte de temps? Je pense seulement que la chose qui me stresse et m'embête actuellement, c'est que je dois vraiment le faire. Je dois aller les voir et passer à autre chose. Je comprends ce que Sandra ressent. Il serait mieux pour elle de mettre les choses au clair entre son oncle et elle pour pouvoir avancer. Eh bien, si ta décision est prise, on peut partir. Ok, allons-y. Allons-y. Hey! Alors comme ça, c'est toi? Tu sais, j'ai toujours su au fond de moi que tu allais réussir dans ta vie un jour. Beaucoup ne le savent pas, j'ai toujours prié pour ta réussite. Et peut-être que tu ne le savais pas, et j'avais l'habitude de
priais la prière de minuit. Et je le faisais 3 fois par jour. Je faisais toujours la prière de minuit pour toi. Tu peux demander à ta sœur. Oh, vraiment? Oui. C'est intéressant. Oui. Oui. Sandra, n'est-ce pas le même oncle qui t'a envoyé dans la rue pour commander? Bonne question. Mon ami, je suis aussi surprise que toi. Vraiment? Même si j'étais encore aveugle, je le reconnaîtrais entre 1000. Vraiment? Jeunes gens, n'essayez pas de me juger. Parce que si je vous demande, si vous savez ce que c'est que d'éduquer et de prendre soin d'une jeune fille aveugle, que répondrez-vous? T'entends? Oui. Ils le savent parce qu'ils ont pris soin de moi, sans jamais me faire mendier dans la rue. Ils ne m'ont pas battu, ou pire encore, me refuser à manger. Ils ne l'ont pas fait, t'entends? Eh bien, monsieur, c'est vraiment très honteux de votre part d'avoir traité votre nièce comme vous l'avez fait. Et même lorsque le Seigneur a mis un bon samaritain sur son chemin, vous voulez toujours en profiter. Qui êtes-vous? Hein? Qui êtes-vous? Est-ce que vous réfléchissez au moins un temps soit peu avant de placer un mot? Mais vous me décevez. À propos, où l'avez-vous ramassé? Qui vous a établi juge? Dites-moi, qui? Non, mais regardez-vous, au lieu de me remercier pour toutes les choses que j'ai dû faire pour l'élever, vous êtes là à faire des commentaires mal placés. Si ce que vous pensez, c'est que je me mette à genoux ici, gémissant, suppliant, demandant pardon, alors vous allez vraiment être déçus. Car ça ne me ressemble pas, ce genre de choses. Oui, j'ai fait de mon mieux pour elle. Et laissez-moi peut-être vous rappeler que si je ne l'avais pas envoyée mendier pleurer dans les rues, si elle n'allait pas pleurer, ainsi que de mendier dans les rues, est-ce que vous êtes sûr qu'elle allait rencontrer quelqu'un comme vous un jour? Ça, c'est le meilleur moyen de traiter les mendiants. Placez-les dans les rues pour qu'elle mendie. Si elle n'était pas dans la rue, l'auriez-vous rencontrée? Et c'est de cette façon-là que vous me remerciez. Vous voyez? Toujours réfléchir avant de parler. Tonton Ozar. Oui? Nous ne sommes pas venus ici entendre tes excuses, car nous avons un long chemin à faire. Si je suis venue ici aujourd'hui, c'est pour me réconcilier avec ma famille. D'accord. Et pour te faire comprendre que je n'ai plus rien du tout contre toi. Uh-huh. Mais je pense qu'il est grand temps que nos chemins se séparent. Sandra, je demande pardon. Nous lui avons fait beaucoup de mal. S'il te plaît, pardonne-moi. J'ai mal agi envers toi. Je te pardonne. Du fond de mon cœur, je te pardonne, c'est bon. Fevor, tu es mon unique sœur et cousine. Il n'y a rien que je puisse faire sans toi. Et je te promets que je prendrai soin de toi. Alors ne pleure plus, je suis avec toi. Allez, lève-toi maintenant, d'accord? Hey! J'espère au moins que vous serez à la hauteur, parce que cette jeune fille que vous avez là, eh bien, c'est ma fille. D'accord? Oui, tonton. Alors dis-moi, ça va? Ça va très bien, tonton. Ça, c'est bien. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 88 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Et
kere kopo che irunua amale chawa wale wale sufu kujimwa mosi sepwe sechalu komedine amale chawa wale wale sufu kujimwa miye yekwe sechalu komedia karakaya amale chawa wale wale sufu kujimwa mosi sepwe sechalu kapito amale chawa wale wale sufu mwajisiga. Chisika, 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 Chis